Vous recherchez une pompe à main, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo car c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce top 3 comparatif des meilleures pompes à air manuelles ou ce qu'on peut aussi appeler pompe à main. Donc, c'est des pompes qui vont vous permettre de gonfler plein d'objets pneumatiques. Donc, ça peut être un matelas gonflable, un pneu de vélo, un ballon, un kayak gonflable, ce genre de choses. Et ce sera avec votre huile de coude que vous allez gonfler ces objets-là. Donc l'avantage, c'est que ce type de pompe, c'est très peu cher. Hein, c'est à l'heure où j'enregistre, en tout cas, en dessous de 25 euros. Donc c'est vraiment très accessible. Et ça reste quand même très efficace car c'est des pompes à main où vous allez effectuer pas mal de pression en faisant des mouvements. Et du coup, c'est relativement rapide. C'est pas voilà, comme une simple pompe à vélo où là, ça pompe pas grand-chose. Mais forcément, ça demandera quand même un minimum d'effort par rapport à un compresseur à air électrique qui là sera plus efficace, mais par contre sera forcément plus cher et demandera d'avoir une source d'alimentation électrique. En tout cas, je vais vous présenter les modèles donc les mieux notés sur le marché par ordre de prix décroissant, en espérant que ça vous fera gagner du temps pour ce choix. Et bien sûr, vous pourrez commander un des modèles présentés en passant par les liens juste en dessous en description. On va commencer avec la Sevilor Action Dual, donc pompe à main. On aura des bonnes évaluations à 4,3 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 980 évaluations. C'est une pompe qui vous permettra de gonfler matelas pneumatique, bateau gonflable, jouets aquatiques ou d'autres équipements similaires. On aura un design qui sera compact, qui sera léger, donc elle sera facile à transporter et à utiliser. On aura un système double action, donc c'est-à-dire qu'elle va gonfler lors des mouvements vers le haut et lors des mouvements vers le bas, donc ce qui permet un gonflage plus rapide et plus efficace. On aura donc un tuyau flexible avec un embout universel qui pourra s'adapter à la plupart des valves de gonflage. Sevilor, c'est une marque qui est réputée dans le domaine des produits de loisirs aquatiques et c'est un produit donc de qualité avec une très grande facilité d'utilisation. Donc vous pourrez retrouver plus d'informations en passant par le premier lien en description. Une deuxième que je vous présente, c'est la Camping Gaz pompe à main double action avec embout universel. On aura toujours 4,3 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 670 évaluations, ce qui reste très bien également. Le prix est quasiment le même, donc pas de grosse différence. Et sinon, au niveau des avantages, ce sera plus ou moins similaire. On aura toujours le côté double action. Camping Gaz aussi, c'est une marque qui est assez réputée, donc là, plus dans le domaine des équipements de camping et de plein air. Mais donc, vous aurez toujours une bonne efficacité. Un prix donc, qui est quasiment le même à 1 ou 2 euros près. Donc que vous preniez clairement la première ou la deuxième, dans les deux cas, vous aurez un produit qui est vraiment intéressant. Il y a plusieurs buses, hein, comme vous pourrez le voir, plusieurs embouts, afin que ça puisse s'adapter à un matelas gonflable, à une bouée, à un ballon, ce genre de choses. Bon, par contre, il n'y aura pas d'embout, il me semble, pour les pneus de vélo, où là, c'est un embout quand même très spécifique. Mais si ce que vous recherchez c'était une pompe pour pneus de vélo, ça tombe bien car c'est précisément ce pourquoi est faite la troisième qui est la Gobco pompe à pied pour vélo. Donc c'est exactement le même système que les autres, hein. Vous allez tirer la poignée de haut en bas, sauf que là on aura un embout spécifique pour pneus de vélo. Et après vous aurez sinon d'autres embouts si vous souhaitez gonfler d'autres objets. Donc on aura 4,3 étoiles sur 5 en moyenne sur plus de 6200 évaluations, ce qui est vraiment très bien. Le prix est encore une fois assez proche des autres produits. Sinon on aura une bonne précision au niveau de la fabrication. On aura un tube en caoutchouc qui sera portable, donc détachable, résistant aux hautes températures, etc. Vous aurez une conception ergonomique avec une capacité haute pression jusqu'à 12 bars tout de même. Vous aurez 4 aiguilles en métal donc pour gonfler les pneus de vélo avec deux buses coniques pour gonfler par exemple des pneus plus larges. Et vous pourrez aussi utiliser ça pour gonfler d'autres objets. Donc si ce que vous recherchiez c'était vraiment un produit spécifique pour le vélo, bah, je pense que c'est vraiment le bon produit à choisir. Vous pourrez retrouver ça en passant par le troisième lien en description.
Voilà, c'était tout pour ce top 3 comparatif des meilleures pompes à air manuelles ou pompes à main qu'on peut retrouver sur le marché en 2023. Comme indiqué, il y a tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo en fonction de l'ordre d'apparition des produits. Donc si vous souhaitez en commander un ou aller voir plus d'infos telles que les prix, les évaluations clients ou plus de détails, cliquez sur les liens en description. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire gagner du temps. Pour ce choix, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et je vous dis à très vite.